Salut à tous la team, pour faire partie de la team Nyama, la meilleure team du monde, la plus marrante, mettez ce logo là en tant que photo de profil YouTube, voilà. Le lien pour télécharger le logo est dans la description. Salut à tous, monde de la folie, Riku on est présent. Bon, il fait beau aujourd'hui, c'est bien. C'est quoi aujourd'hui la vidéo? Bon, on est parti demander aux filles du coup, à partir de combien c'est trop grand, à partir de combien c'est trop petit. Parce que c'est important, imagine qu'un soir tu allais voir une fille, tu sors ton braquemar et ils disent « Oula, oula, c'est trop gros là, ton bazouzou là, range-le ». Imagine qu'il est trop petit et elle dit « Ah oui, non, tu vois ». Et aussi, il y a aussi des hommes malheureusement qui ont des problèmes de la taille, tu vois. Et c'est pas de leur faute, c'est comme ça la vie. Donc il faut aussi leur donner un peu de force aussi, il faut pas les laisser comme ça. Du coup, c'est parti, allez voir la vidéo. Est-ce que d'abord vous êtes honnête dans la vie? Est-ce que vous êtes cash? Moi, je suis sincère. Toi, wow. toi pas trop, hein. Moi, ça dépend des situations. Ouais. La question est simple. Pour vous, du coup, à partir de combien c'est trop petit? Donc ça, c'est environ 15 cm à peu près. Voilà. Environ 15 cm. Pour vous, c'est à partir de combien c'est trop petit, à peu près? Moi franchement je sais pas. Mais genre après une idée de taille, une idée. Par exemple, non, imagine une allumette ou une pile A ou Non mais t'abuses, mais bah une taille normale, enfin Il y a des hommes qui souffrent aussi de petits trucs, hein, attention. Faut pas les blâmer. Non je les blâme pas mais justement, c'est Dieu qui donne tu vois, donc on fait avec. Belle phrase, ça bien dit hein. C'est un vraiment bonne phrase, hein. Très bonne voilà, phrase. Tu vois. C'est Dieu qui donne, ça c'est vrai. Elle a raison, elle a raison. Hein. Toi du coup, à partir de combien c'est trop petit pour toi? Bah franchement, je dirais 13. Ok, 13 c'est pas trop. Voilà. Bah c'est ça passe, après si t'aimes la personne, tu fais avec. Voilà, mais si tu l'aimes pas, bah c'est mort. Bah si je l'aime pas, ouais je trouve que c'est petit, mais après je sais pas, ça dépend. Apparemment ouais. On dit que quand tu... c'est pas ça qui compte, c'est la manière de le faire. Oui, bon pour la manière, bon y a plus de manière, c'est de rentrer et de sortir, donc j'ai pas d'autre manière. Bon voilà. Non, voilà. Non, c'est pas qu'un acte comme ça, oui, ça dépend. Oui bien sûr, il y a tout ce qui est après à côté. Oui, voilà. Voilà c'est ça, donc okay. Peut-être en dessous de 13. Ça marche, ok. À partir de combien ça peut être trop gros? C'est qui est un peu gêné, je sens. Ouais, moi je suis trop gênée, je te jure. Mais après, en fait, je sais pas, tu vois. Ok. Je peux pas te dire. Peut-être après une baguette de pain, ça peut être trop grand, peut-être. Bah ouais, là quand même, on va peut-être pas abuser. Peut-être 25, je sais pas. Ah, quand même, arrête. Ah, 25, ah oui. Ah oui, 25, c'est grand, hein. Ah oui. Ah oui, là oui. Bah, je sais pas, là, c'est une vraie question, j'arrive pas à me rendre compte. Okay. Enfin, vraiment, après, peut-être 18, ça commence à être grand, je pense. Ok, 18, ok. Ça voilà. Marche. Du coup, salut, ça va encore? Ça va, ah, ça va bien, voilà. Bon. La question est simple, est-ce que d'abord tu es une personne honnête et cash dans la vie? Oui. Très bien, c'est très bien. Pour toi du coup, à partir de combien c'est trop petit? On attend du coup le micro à peu près là, à partir de combien? Je sais pas moi, franchement, peu importe. Petit. Parce qu'après, une pile, c'est trop petit, une pile non? Une pile. Non, mais je sais pas. Ok. Genre... Et du coup, à partir de combien c'est trop gros alors? Je sais pas, non. J'ai pas eu beaucoup d'expérience. Ok, mais tout le micro c'est trop peut-être? Bah ouais. Ah ok, d'accord. Après, chacun a son, voilà, chacun a son truc. Hein. Bon, toi du coup, à partir de combien c'est trop petit? En regardant le micro. Tu me dis. Ah, il faut le dire. Il faut le dire. Hein. On est un pervers là. Comment trop petit. Hein. À partir de combien c'est petit? On se continue. Bah ça, c'est petit ça. C'est petit ça? Bah oui. Ouais, c'est petit ça. Ouais, d'accord, c'est ok. Petit. Ok. Ça va. Ouais, ça va. Ça non. Non. Ça. Non, encore moins. C'est... Après, on sait pas, hein. Attends, non, quand mais même. Les filles disent que c'est la manière dont on se sert qui est important. Oui, mais il faut pas non plus abuser parce que si c'est comme ça, là, ouais. Il va pas s'en servir. Bah, il pourra faire des. Ça va pas servir à bah, grand chose. Bah, il peut faire des zigzags. Même les zigzags, là, ils sont pas. Merde, ok. Et du coup, à partir de combien c'est trop gros? Même là, c'est déjà, c'est trop gros. Ah, sérieux? C'est trop gros, ça? Oui. Bah, là, ça va, là. Ça va? Bah, ouais. Je sais pas. Et ça? Non, là, t'abuses déjà. Une baguette. Ok, c'est trop. Ok, bon, ah, en tout cas. Là, c'est trop. Mais est-ce que t'as déjà connu un homme avec un truc énorme quoi? Non. Et trop petit, t'as connu? Non. Bah, ça va alors. Toujours entre les deux. Bah, c'est bien. Ça va. En tout cas, merci. On se plaît pas. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Ok, donc du coup, deuxième question. Est-ce que d'abord vous êtes plutôt honnête et cash dans la vie? Ouais. Vraiment? Franchement, ouais. De ouf. T'en oui. Pas trop, hein. Si, de ouf. Ah, ouais, c'est ouf. C'est la pire. C'est pire en plus, ok. Pour vous, on va dire qu'à partir de combien c'est trop petit? Dans ici, à peu près. Quoi? À partir de combien c'est trop petit pour vous, du coup? Trop petit, tu vois. Le... Un petit zizi. Non, mais faut pas dire les mots, Ah oui, bah non. Bah, du coup, on parlait de serpent de mer. Alors, serpent de mer, c'est mieux. Voilà. Regardons ça ici après. Ah, faut pas un enfant montrer ça. Je sais pas. Oh, ok. Attends, moi, c'est une question, on me pose pas. Ça me pose pas. Ok. Bah, attends, c'est bon, me poser toi. C'est une question, ça. Trop petit? D'accord, ok. Et à partir de quand c'est trop gros? Tout le micro, peut-être? Ça va. Ça va. C'est bien ça? Non, c'est trop. Oh, c'est trop, ok. Là, c'est bien. Non, c'est trop. Là, c'est bien alors. C'est trop aussi. Wow, bon, là, c'est bien. Oui, ça va. Ah, putain, il faut quand même baisser, hein, quand même. Ah ouais, c'est dur, hein. Bon, en tout cas, merci à vous. C'est bon, merci. Alors, salut, ça vient? Ouais, super, et toi? Dis-moi, est-ce que d'abord tu es en couple? Non. Est-ce que tu cherches? Pas vraiment.
Pas vraiment, un petit peu quand même, tu cherches. Pas vraiment. Ok. Alors du coup, je vais montrer un petit objet ici. On a du coup ici une règle. Parce que moi, j'aime les maths. Du coup, pour toi, à partir de combien c'est trop petit? De quoi? Bah, le... Ici, tu as ton... Alors, je vais dire, le serpent de mer. Voilà. J'aime pas les hommes. Ah, d'accord. Ah, c'est les femmes. Ah, ok, bah désolé, je savais pas. Ah bah, je savais pas, bah, voilà. Ok, d'accord, ok. Bah, désolé, hein, en tout cas. Bah, merci beaucoup. De rien. Allez, bonne journée. Hein. Salut. Bah, du coup, encore toi, ça va? Ça va, voilà, ouais. Connais, amiche, voilà. Ah, est-ce que d'abord, tu es en couple? Oui. Combien de temps? Un mois. Ça va, un mois? Ouais. Donc, c'est après le confinement. Donc, c'était genre en mai, quoi. Ouais. Donc, dès le déconfinement, tu t'es mis en couple, toi. Hein. Ouais. Ah, t'es rapide, hein. Ah ouais, ah ouais. Bon, ici, du coup, on a une règle, ok? Pour toi, à partir de combien ça peut être trop petit? On nous montre du coup avec la règle, à partir de combien? 14. 14 c'est trop petit. Ouais. Pourtant c'est la moyenne française. Hein. Ouais, je sais. Ok, du coup ici, du coup, j'ai une règle. D'accord, ok. Ouais. Je te laisse à tenir la règle. Ouais. Du coup, pour toi, à partir de combien c'est trop petit? On parle plus de la courgette. Ouais, voilà. Trop petit. Ouais, à partir de combien? Je sais pas, 13 c'est déjà un peu... Non, en vrai 13 ça passe. 12... Ça passe. 12 c'est petit, je trouve. Ouais, un peu. Ça 12 c'est petit ou toi aussi? Ouais, ça devient un peu limite. Hein. Toi tu aimes les trucs énormes. Non, quand même pas. Bon, voilà, donc bon, 12, ok, d'accord. Ouais. Et, ok, 12 on va dire. La moyenne française, elle est à 13. Ouais. Ouais, bah, bon, après, voilà. Et ça du coup, laisse un peu à désirer. Et du coup, on va dire qu'à partir de combien c'est trop grand? Bah 20 c'est un peu... Oui, déjà, impressionnant. Hein. 20 c'est grand, je trouve, 20. Bah 20-21 ça fait un peu peur. Hein. C'est peur, ok. Ouais, ouais, ouais. C'est peur, c'est qu'en gros, si par exemple l'homme en question a une énorme, t'auras un peu peur, quoi. Tu seras un peu en mode pas envie, quoi. Bah, pas envie, mais. Ouais. Un peu plus réticent, quoi. Le challenge ouais. Est plus important, quoi. Voilà, il faut un peu avoir un peu de cran, quoi. Ouais. C'est important. Voilà. Mais est-ce que du coup, vous êtes déjà tombé sur un homme avec une énorme d'un coup, comme ça? Non, non. Une petite, vraiment? Non. Ça va, donc vous avez de la chance plutôt. Bah oui, non, on tombe bien, on choisit bien. Vous faites des bons choix. Bah c'est oui. Bien. Dis-moi du coup, à partir de combien c'est trop petit? Voilà. La règle c'est précis. Hein. Ouais, moi je sais pas. Bah, genre, t'as déjà vu des petits serpents de mer des fois. 11 c'est petit du coup pour toi. Bah ouais. Ouais, ok. Et toi du coup? Je dirais, ouais, 12. Et du coup, à partir de quand c'est trop grand, trop gros là? De combien là? 22, 23. 22, 23, ouais. Là, c'est trop. Hein. Bah ouais, là. Ouais. Et toi, du coup? Ouais, on m'attend là, on m'attend au tournant. Non, au tournant, ouais. Je sais pas. 30, ça va? 30? 30, ça non, va? Non, c'est beaucoup. Ouais, 25. Bon, allez. Vas-y, on va dire 25. Vas-y. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un mec avec une énorme. Comme ça, une énorme? Une énorme? Ouais. Jamais? Et toi, du coup? Un mec avec une énorme. Si, ça m'est déjà arrivé. Et comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fui ou t'as quand même fait non. La chose? Parce que bon. Mais après, j'ai pas fait de la chose avec lui. Ah, t'as pas fait? La chose avec lui. Ah, donc il a sorti, il a rangé après. Il a fait hop, c'est bon. Hein, des choses, mais pas la chose. Okay. Bon, du coup, est-ce que d'abord vous êtes forte en maths? Ah, bah, non. Ah non, pas du tout, ça veut dire. Hein. Oui, on a oui, des ça va. Ok, on a ici une règle. Mm-hmm. À partir de combien c'est trop petit selon toi? Terrible. Ouais, faut être honnête parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de problèmes, malheureusement il faut les aider. À partir de combien c'est trop petit? Ouais. Non, là c'est pas très grand quand même. Ouais. À partir 13. De 13, ouais. Faut aussi 13 non, en 15. 15. 12. 15. Pas, ok. Bah disons que. Non, ouais, non, c'est vrai. Bah disons que la moyenne française elle est à 13. Donc. Ah ouais, ah, ça va, je suis pas trop exigeante. Ça va. Ouais, ça va. Ça va, je suis bien. Et à partir de combien c'est trop grand pour vous? Ouais. C'est jamais trop grand. Faut être honnête, hein, après, bon. C'est une question un peu bizarre, hein, mais il faut répondre honnêtement. Est-ce que tu es une fille cash et honnête dans la vie? Ça va. Ça va, d'accord, ok. Alors pour toi, à partir de combien c'est trop petit? Oula. Ouais, à partir de combien de centimètres tu penses que c'est un peu trop petit? Je sais pas, 12. 12, ok. Donc pour toi, dire qu'en bas de 12, c'est un peu compliqué. Après, j'avais vraiment mesuré, je suis pas sûr. Oui, bah oui. T'as pas pris une règle, t'as fait bon, on mesure, mensuration. Bah, heureusement, ouais. Heureusement quand même, heureusement. Okay. Et pour toi, du coup, à ce moment-là, à partir de quand c'est un peu trop gros? Je pense que trop gros, c'est plutôt la largeur qui va compter que la longueur. Largeur, ok. Donc quand c'est un peu trop comme ça, non? Ouais, voilà. Ok. Mais après, d'accord. Je pense que ça dépend des personnes aussi et de la physionomie de chacun. Donc, ouais, aussi, ouais. Et niveau longueur, imagine que ça fait 20 cm ou 25 ou 30. Oula, je sais pas ce que ça. Je pense que ça sera plus un problème pour lui que pour moi en fait. Ouais, toi ça fera mal quoi. Bah moi ça je pense arracher. Pas trop mais... Ça va arracher, bah il se fait mal quand même hein.
C'est compliqué la vie. Salut, ça va? Ça va, très bien. Très bon look, hein, vraiment. Merci, c'est gentil. Voilà. Alors la question, elle est très simple. Pour toi, on va dire qu'à partir de combien c'est trop petit? Au 102 cm. Au centimètre plutôt, ouais. À partir de combien c'est trop petit? Je dirais... Allez, 15-16. 15-16, donc 15-16 c'est trop petit pour toi, c'est pas très très Mais je gros. Sais que c'est au-dessus de la moyenne française. Oui, il me semble que la moyenne 13, française c'est 13, exactement. Voilà. Donc 15-16 pour toi c'est pas suffisant. Ça, si, ça peut être suffisant. Après, honnêtement, je pense pas que ce soit une question de taille, c'est plutôt une question de... La manière dont on sert. La phrase qui vient souvent les abonnés, c'est la manière dont on sert, attention. Ok, voilà, très important. Voilà, et puis aussi c'est la connexion entre les deux personnes. Ah oui, bien sûr, voilà. Chacun a ses propres... Plaisir, exactement. Il faut être compatible. Voilà. Donc voilà. Il faut, pas être égoïste. Hein. Il faut toujours partager le plaisir, penser exactement. À l'autre. C'est important ça. Ouais. Exactement. Il faut prendre sa satisfaction en satisfaisant l'autre. Ouais. Toi, on sent que tu es une fille qui partage bien les choses. On sent. J'aime bien, j'essaye. Okay. Ah oui, j'avais oublié. Et pour ceux qui veulent par exemple prendre des cours de japonais, que ce soit apprendre le japonais pour les mangas, apprendre le japonais pour aller travailler au Japon, pour aller vivre là-bas, pour aller draguer des filles, etc. Et tout. Ouais, chacun son but, hein, voilà. Moi, je donne des cours de japonais sur Paris, voilà. Sur n'importe où sur Paris, même en banlieue parisienne, je donne des cours de japonais. Donc, envoyez-moi un message en MP sur Insta si vous voulez le détail, les tarifs, etc. Et tout. Et tout simplement, voilà.